Voilà. Eh bien, je suis en bas de la piste de la Gopède, ou la route de la Gopède, devant la station de l'Uzardiden. Voilà, c'est la fin de la journée. Je suis un peu crevé. Donc, j'ai bien testé mes skis, c'est cher, hein, ça s'en va pas mal. Par contre, il y a deux choses. C'est que je suis un peu fatigué côté jambes. Et de l'autre côté, je ne les ai pas testés à pleine vitesse. Eh bien, on va essayer de descendre jusque là, à savoir jusque la station. Et bien tout ça sans trop tourner. Voilà, c'est possible. Ah, je ne sais pas. On va y aller. Voilà, il y a les gens qui passent. Donc d'abord doucement. C'est parti. Un peu de vitesse. Là toujours il y a beaucoup de trous là. Je peux pas aller trop vite, mais on va essayer quand même. Ça marche. Ça va vite, super. Là je suis à 75 km/h. Je récupère un petit replat. Accélère. On va bien donc. C'est pas terrible. Là les skis sont un peu. Ils sont un peu agités. C'est pas normal. Et après, la super grande droite que j'adore, et là on y va. Et là on va monter à 100 km/h. Je pense que je suis pas loin. On va voir tout à l'heure sur le GPS. Ça marche. Ça flotte un peu en pleine vitesse. Je trouve que ça flotte un peu ce ski. Je manque de 5-10 cm de longueur. C'est pas grave. Bon, c'est pas fini. Mais c'est une pure formalité maintenant. Allez. On continue. Ça marche, pas un peu de relief, c'est pas plus grave, là il y a du monde. Si les gens vont accuser un petit peu, c'est pas grave. Allez, on contourne tout le monde. Ça marche. On va de piste. Sans tourner. On y est. On est dans les virages. C'est ici. Bonjour mademoiselle. Ah. Vous avez l'air mignonne là. T'as battu ton corps ? Je vais voir tout à l'heure.